Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Darkest Dungeon, le donjon ténébreux. Alors, donc nous avions envoyé nos gens là où il fallait. Cette fois-ci, nous sommes prêts à repartir. On perdra pas de temps. La futée. Buste, portrait, contrat, blason, bon. Potentiellement, on va revenir en ville, c'est pas grave. Hop. Potentiellement, on serait plutôt intéressé pour ou par, ça dépend. Par. C'est pas ça que je voulais voir. Hop, merci. Dégage, merci. Hop, par. Alors moi, à première vue, je serais plutôt intéressé par quelques blasons supplémentaires. Hein, mais bon, on a besoin de buste aussi, donc c'est de ce côté-là, c'est un peu baisé. Ou biaisé, ça dépend comment vous voulez le voir. Hein. On n'a pas de nouveaux emplacements. Déblocage après plus de quêtes terminées. Ok. Amélioration d'armes et d'armure. Ici, par contre, on est clairement en manque aussi. Donc cette fois-ci, plutôt de tout. Ok, bah écoutez, on va faire des runs. Hein. On va faire des runs. A commencer par ce qu'on n'a pas du tout. Les ruines, donc. Mission courte, explorer 90% des pièces, 2 bustes pour un saut du défenseur croisé uniquement, protection plus 5%, moins 1% de chance de critique ou moins 1% des dégâts critiques. Ok, bah on part là-dessus. Tu peux te barrer, toi, y a pas de problème. Il est malade, donc non. On va reprendre Viville, c'est pas grave. Eux aussi sont malades. Ah, je les avais pas vus malades. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah, ils ont la rage. En l'occurrence. Donc vous voyez, il faut vraiment qu'on s'occupe de ça assez rapidement. Donc lui, oui, forcément, Docteur La Peste, il va pas être génial. Pour le moment, en tout cas. Bien que. Merde, j'avais pas vu qu'on avait une malade. Écoutez, on va emmener deux heals potentiels. Et elle, on va voir ce que ça va donner. Tueur d'horreur. Ah. Pourquoi pas. J'imagine que c'est le nom du groupe, hein, ce que ça donne au niveau du groupe. On y va. Ok, une pelle. 6 torches et une clé. Et nous revoilà. Parti, chers amis. Hop. Des sanctuaires idoles autrefois sacrés ont été corrompus en faveur des dieux païens. L'eau bénite peut aider à restaurer leur état légitime. Bon à savoir. On saura quoi faire la prochaine fois qu'on rencontrera ce genre de lieu. Enfin, ce genre de, comment, d'event. Alors. C'est parti, chers amis, on appuie sur touche espace. Crac. Parcours les croix de tes ancêtres, autrefois familiers, désormais étrangers. Ok, on voit déjà qu'on a une zone à laquelle on n'aura pas accès, donc on peut y aller. Ok. Le contenu du sac t'appartient, on y trouvons donc 25 pièces d'or, ce n'est pas énorme, soyons honnêtes. Un combat ? Je m'en doutais, on les a surpris, c'est tant mieux. Bah écoute, 6-11, t'as plus de chances de le battre lui, donc tant mieux. Essaye de frapper ceux-là, parfait, génial. Je ne t'en demande pas plus. Alors lui, il n'a pas le fameux sort. Marquer la cible, je sais pas si ce sera utile. Supprime les dépouilles, par contre ça c'est pratique. Hop, voilà. Et frappe. C'est bien. Maintenant, il faudra accrocher que lui, il nous mette trop de dégâts psychologiques, entre guillemets. Ce serait pas mal. Ah, il attaque deux fois. Écoute, pourquoi pas. Mais je n'aime pas ça. Frappe. Voilà. Viens par là. Ah, il a résisté le sac. Pourquoi pas, hein. Pas besoin de soins, pour le moment. Oh, j'avais une chance de faire 1-1 et j'ai pas fait de dégâts du tout. J'ai vraiment pas de bol. Frappe ici. Et frappe là. Parfait. Destroy them all.
Ok, de nourriture et une jade et 100 pièces d'or, c'est toujours agréable. C'est toujours utile. Hop. The light, the promise of safety. C'est parti, la suite. Que combat? Non, rien du tout. Ok, alors. Là-dedans, on m'a dit que j'avais très peu de chance de trouver quoi que ce soit. Mais je tente ma chance. Butin caché. J'ai du bol, apparemment. Hein. Génial. Absolument génial. Piège. Génial aussi. Je sais pas par où ça passe, comme dirait l'autre. Ah, on a perdu. Oui. Ok. Ici, toujours pas le moindre combat. Par contre, on a un petit peu de repérage. On a donc un trésor avec une bataille dans la prochaine pièce. Le sac a déjà été pillé. Ce qui n'est pas bon signe, chers amis. Dis donc, gaspille de la torche. Hein. C'est parti, on y va. Oh, des araignées. Salope. Oui, pardon. Je vais le soigner. Critique 14, génial. Pas de saignement, ce serait cool. Génial. Oh non, pas de balle. Esquive, bien joué. Bien joué. Crachat. Et je m'en prends plein la face. Et je suis infecté, génial. Et j'ai un malus qui me fait moins 5 de précision. De mieux en mieux. Oh, j'ai de grandes chances de les tuer normalement, donc c'est bon. 3, 5, ça ne suffira pas. Ça fait quoi? Moins 15% d'esquive, ouais, c'est pas intéressant. Donc on va frapper ici. Esquive! C'est trop mauvais! Est-ce que j'ai de quoi attaquer plus dur? Non. Oh, bah oui, moins 5 de précision, tu m'étonnes. Mec, il a vu, il a pas vu double, il a vu triple. Pas but celle-là, tiens. Hop, parfait. Moins 15% d'esquive, c'est ce que j'aurais dû mettre tout à l'heure en fait. Du coup, j'ai plus aucune. Bon. Oh bah, il esquive. Génial. Et tu l'esquives celle-là ou pas? Oh, elle est marquée, c'est déjà ça. Bien sûr. Esquive, bien joué. Bien joué la furie. Est-ce qu'il va l'esquiver? Esquiver, bah génial. Génial, génial. Tant mieux. Bah écoute, frappe alors. Hop, ça ne l'a pas tué. Je suis déçu. C'est la furie de jouer. Ah merde, j'aurais aimé que ce soit la furie. Ah, puis elle va se faire infecter. Ah, génial. Génial, génial. Hop, meurs. Attaque. C'est bien. Un petit coffre. Franchement, je vais pas... This expedition at least promises success. Je vais pas... Ah, il était piégé, merde. Enfin, j'ai vraiment pas de bol. J'aurais dû m'en douter, ouais, moi aussi. Effectivement. Désolé. Désolé, mon ami. Bon, c'est parti. On va avoir besoin d'une torche. Non, ça va encore pour l'instant. Oh, ils ont tous pris cher sur le coup, là. Je suis con de bouger là-dedans. Oh, un combat. Génial. J'aurais dû le voir venir. Viens par là. Oh, il attaque. Un coup de baïonnette qui va me faire saigner. Pareil. Ah non, ça va. Je pensais que ça... Ça ferait ce que ça aurait dû faire. Et puis non, j'ai de la chance. Toi, tu meurs. Tu laisses tes os au sol. Os au sol. C'est pas facile à dire, hein, contrairement à ce que vous pouvez croire. Hop les... Hop les... Certes, elle a pris un bonus, mais c'est la fin, c'est le dernier tour, donc c'est bon. So clearly in view. Hop. Or is it merely a trick of the light? Ok. The match is struck. A blazing star is born. L'étoile étincelante est née. Il parle de moi, sûrement, j'imagine. Le mec qui espère. Alors. Bon, on est revenu au départ. Avec moins de points de vie. Ah, la vache. Non. Et surtout, avec moins de torches. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors.
Vas-y. Les ouvrages sont du lieu inintéressant. D'accord. Un piège, génial. Tu te les boufferas tous, c'est pas grave. Ok, la suite. Rien dans le coin, repérage. Alors. Combat et rien du tout dans cette pièce. Nous sommes à 56, on va se permettre de prendre une torche. Le contenu du sac t'appartient. 50 pièces d'or, ce n'est pas génial du tout. Hop, on se permet de gaspiller. Hop, on les a surpris, génial. Ah putain, ils ont un aliéné. Fish. Ok, on le fait saigner. Oh, il esquive. Viens par là. Prenez ça, vous deux. Ça va pas vous faire de mal. Faut que je l'étourdisse. Hop. Parfait. Génial. Sacrifice aux odieux anciens. Pas de saignement. Oui, génial. Génial. Bon, c'est bon. Lui va prendre cher dans sa gueule. Enfin bon, c'est pas le pire niveau santé mentale. Alors ça par contre, ça fait chier. Non, c'est bon. Ah, je pensais que ce serait celle-là qui m'aurait... Oh la vache. C'est violent. Plus 10% de stress jusqu'au camp. La vache. Ah oui, il est vraiment violent. Soignons notre champion. Et tapons ces deux-là. La vache, il est là au niveau des critiques celui-là. Oh! Il y en a qu'on peut encore attaquer! Ils sont rapides ceux-là, dis donc. Tu sais quoi? Non, on va pas tenter notre chance. Bouh! Oh! Un point de vie! La haine, ouais, la haine. Elle m'a poussé? Non, c'est bon, je résiste. Tout devient rouge. Oui, c'est pas bon signe. Celui-là, il meurt. J'aimerais pouvoir l'achever la fille avec un de mes mecs. Voilà. Merci. Off. Ouf, ça c'est bon. Aïe! Ça fait mal! Est-ce que tu sais au moins à quel point ça picote? Boum! C'est fait! Alors. Petit venin, de l'or, de la terre. C'est génial. So too will resistance. Ok, donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Rien. Ok, on y va par là. Regarde là-dedans. La caisse contient des legs cachés, génial. Un petit peu de blason. Vous avez pas faim? Tout au hasard. Ok, deux monstres. Je vois pas comment je pourrais les appeler. Parfait. 8, alors juste pour voir 3, 6, donc ça vaut pas le coup de le faire. Boum. Je dis bien par où ça passe. Oh. Boum. Voilà, tu vois quand tu veux. Ça se passe bien. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Putain, combien de fois j'ai pu. Oh la vache! Un gros qui fait peur à toute mon équipe. Heureusement, elle a peut-être pour utiliser. Oh la vache. Ça fait mal. Oh! Zéro quoi. Ok, boum! Ça. Vache. Oh la vache. J'ai bien fait des tours bien. Hop les, bouffe ça. Oh il résiste le sac. Oh la vache, un deuxième tour de couverture quoi. Un petit peu de respect. Allez! Ah putain! Hop les!
Aclora! Enfin, Aclora! Je sais pas faire une voix de figure en fait, je suis désolé, chers amis. Bon. Pas besoin. Avancée de 1, génial. Oh! Oh, cette haine! Non, c'est pas possible. Ah, oh, puis en plus, il nous fait peur. Ah, puis il a fait du saignement, je savais pas. La vache, violent ça comme attaque. Il va peut-être finir par être étourdi celui-là. Oui, ça y est. Ouh. Taillé et émincé. D'accord, esquive, génial, tant mieux. C'est parfait. Et de 1. Oh, l'esquive d'équipe. Bim. Tiens, bouffe. C'est fait. Alors, il y a un bonus pour résistance à l'étourdissement pendant un tour. Ce qui est en fait très dur d'enchaîner l'étourdissement sur un ennemi. Cependant, je peux peut-être... Ah, je peux pas. Je pensais pouvoir l'abattre. Moins 15% d'esquive, ça peut être sympa. Reste combien de points de vie? Une action restante. Ouais. Je crois que l'action restante ça va être ma mort, mais bon, c'est pas grave. Boum! Allez! Ça donne quoi? Ça donne un point de soin. Plus guérison, plus protection, plus précision. D'accord, ça va. Je voulais espérer le critique. Ah putain, psychologiquement je crois que c'est une horreur cette attaque. Elle inflige un saignement, d'accord, pourquoi pas. Hop, tiens, un petit coup de heal. Tiens, de couverture, on s'en bouffe tous. Je peux pas arrêter l'écoulement, ça coule. 2. Est-ce que je peux lui faire de dégâts avec un de mes sorts? Oui, je peux! Oui, je l'ai battu! Soigne-toi un petit coup, ça te fera du bien, voilà. Torche plus 6, ça peut être intéressant. Torche moins 5, ça c'est pas bon. Tiens, bouffe! Ah, je peux pas! Je peux pas l'atteindre! Soigne-toi. Ah, il va pas faire que ça! Je me soigne pas assez vite pour qu'il fasse que ça. Quoique, j'ai rien dit! Si c'est toujours comme ça, bah bon. Et il se bouffe un saignement quoi. Hop, un petit peu plus de lumière. Hop, et on remonte. Bah alors, il y a un cadavre en moins. C'est bête ça. Critique plus 2. Génial. Allez maintenant. Oh mais pas encore. Fait que ça. Il spamme le bouton. 9, ça c'est bon. Et il résiste. Descends. Lumière. La lumière remonte. Hein. Soin. 18. Bah voilà, ça c'est bon. C'est ça qui est bon. Ah, saignement, bon, c'est pas grave. Hop, les. Voilà, on trouve la configuration d'équipe normale. Et normalement... Je peux frapper! C'est pas grave. Oh! Plein de trucs. Be wary. Triumphant pride precipitates. Passe place dans l'inventaire si tu peux prendre. Fais-en ou choisis ce que tu peux emporter. Saignement? Elle a une capacité de saignement, elle? Ouais!
Ah, je peux pas l'équiper? Voilà, parfait. Hop. Mais non, pas si loin. Voilà. Ok, on y va. On va pas faire le petit chemin là parce que ça... Ah mais merde, non, mais tu fous pas de ma gueule non plus, c'est... Oh putain. Tu te fous de ma gueule, c'est pas possible. Ok, c'est bon. Confessionnal abandonné. Côté des trésors cachés, génial. Anneau du tueur de bêtes. D'accord. C'est quoi ça, docteur la peste, mage clic. Moins 2 d'esquive, c'est un gardien, il a la défense nécessaire. Ok, on va partir comme ça. Parti, la suite. La fin, eh bien écoutez, mangez tous. Mangez et buvez-en tous. Buvez et mangez-en tous. Ça, plus c'est grand que le sens. Hop les. Commencer le combat par un heal, ça veut dire qu'on n'est pas dans un bon. Dans un. On est dans un bon jour, comme on dit. Bon, c'est parti. Hop les. Le petit coup de fouet qui fait du bien. Incantation stressante, 0 dégâts par contre. Ouais, voilà, 25. Ok, noir total, 0. Pin, 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 pin. Ah, je peux le battre. Là, non, il manque un point. Oh la vache. Oh, ça fait mal. Oh, puis je le manque. Ah, la gueule. Je vais avancer, c'est pas grave, j'espère en toucher un maximum. C'est bon. Ah la vache, puis il attaque lui. Attraction. Non, vas-y, c'était bien. Oh, un deuxième critique dans le nez. Oh bah lui c'est bon lui. Hop. Attention. Le cran de Bibi est testé. Il est désespéré. Putain. Ouais, plutôt il est désespérant. Pourquoi l'avoir échangé contre cette vie? Elle m'aimait. Elle m'aimait, chers amis. Oula. Ok. Reviens avec nous, s'il te plaît. Merci. Et soigne notre ami Biville qui est en train de péter une durite. Laisse-moi tranquille, les autres ont plus besoin d'aide que moi. Oh putain. Le malade mental. Pas littéralement. Ça supprime toutes les dépouilles, je pourrais le ramener devant. Viens voir papa. Même pas. Pas suffisamment. 7-14, je pourrais le buter. C'est bon ça. Viens voir papa! Ouais, je me suis auto-soigné de 2 points. Génial. Oh putain, mais t'es déjà fou, arrête! Pauvre homme, il a fait une crise cardiaque. Et bim! C'est bien, tu résistes. Commençons par l'ennemi le plus faible. Pas la forme, hein, mon pote. Je ne supporterai pas un jour de plus dans ce monde de ténèbres. Oh, puis en plus, il hurle comme un malade, du coup, hop. On va essayer de... Oh, bah en plus, tu le loupes. Et t'es mauvais. Tiens. Tiens. Tu vois, t'es en forme. Oh, bah merde, ouais, enfin, tu saignes. Mais c'est pas... C'est pas trop grave. Ah oh, raté. Oh putain. Ah il esquive. Il fait un choix. Boum. C'est bon ça. Ok, une torche. Tiens donc. Bah écoute, on continue, on a une torche. Oh, la lumière. Repérage. On a juste un fou, ça va. Tiens, bah d'ailleurs le fou au passage, tu repasses devant. Et tu me feras le plaisir d'ouvrir la vierge de fer. Je crois que c'est avec une eau bénite, tu m'as dit. Hein. Ah, je sais plus. Non, des herbes médicinales. Les herbes purifient la vierge de fer, voilà, c'est ça. Merci. Merci, Rémi O'Blood.
Ah, par contre, on n'aura pas trouvé une seule. Et il n'y a rien là-dedans. Ok. Eh ben, on rentre. Donc, merci Rémi Obloud hein, pour les conseils que tu me donnes. Tu vois, je les lis hein, et je les applique. Génial. Par contre, on a pratiquement rien retrouvé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est toujours ça le prix. Hop les. Alors, Vivil, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es matinal, tiens. Pennant, tu es une exploratrice de la crique, d'accord. Mon tag. Tu as l'esprit tourmenté, t'as dit des méditations en ville. Et par contre, tu as un coup naturel. Bizarre. Ok. Once, our estate was the envy of this land. Abbaye, Reynold a atteint un calme constant. Nouvelle manie calme. Moins 15% de dégâts au premier tour. Génial! Subit un traitement de manie efficace. Réflexe manie supprimée, réflexe lent. Parfait. Ok, maintenant il est temps de régler les problèmes de Vivil. Vivil, c'est pas la forme, hein, mon pote. Bah, tu sais quoi? Va méditer, ça va te faire du bien. Hop. Musedent, qu'est-ce que tu es, toi? Tu es zoophobe et tu es d'un naturel très calme. Eh ben écoute, on va t'envoyer t'auto-flageller. Le mec en a plus rien à foutre de ces mecs. Au passage, est-ce que je peux? Non, je crois que ça coûte extrêmement cher. Ouais. Eh ben on va se réserver, on va rien mettre pour ce tour-ci, on va rajouter simplement, hop, ici, quelqu'un qui soignera de sa propre rage, ça ferait du bien. Grosse Bertha, tu n'as pas de problème de thanatophobie, moins plus en 33 CPV, c'est en moins de 50%. Non, ça devrait aller. Xylaxac, je sais que t'as plein de problèmes. Ah, kleptomane, donc ça je t'enlève. Il faudra que ce soit à Chartres la prochaine fois. Rémi Obloud, je t'avais mis quelque part. Il me semble en nom, voilà. Il faudra peut-être falloir que je te remette vu que tu m'avais dit que t'aimais bien les... Ouais, 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 on verra bien. Peut-être te remettre ailleurs. Réduction du stress. Montag, va boire un coup. Ça va te faire du bien aussi. Bertha, je t'invite à aller goûter au plaisir de la chair. Et voilà. Et là, dans le prochain épisode, je pense qu'on enverra Corgi à la mort. Parce que je sais même pas ce que j'ai. Si, j'ai encore Reynold. J'ai Pennant. J'ai Corgi. Et j'ai The X-Player. Bon, parfait, j'ai encore de quoi faire dans le prochain épisode. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom pour faire tout le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures ténébreuses dans le donjon ténébreux du jeu ténébreux qu'est Darkest Dungeon. Salut les gens!